Bonjour tout le monde. Je vais vous demander de prendre place. J'ai flushé l'animateur. C'est pas vrai, c'est une blague. C'est juste que je tenais à être là pour présenter la prochaine conférencière parce que c'est un travail de longue haleine qu'elle va vous présenter. Là, c'est sûr qu'on vous en présente que des bribes, que des petits bouts. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 2 ans, on vous envoyait un gros sondage à remplir. Il y avait 104 questions. Et puis, on vous demandait si vous étiez en sous-cutané, en IV, si vous avez déjà été en IV avant un sous-cutané, en tout cas, il y avait des questions sur la qualité de vie du patient, sur la façon dont vous abordiez vos traitements. C'était un gros questionnaire. Et on a quand même au-delà de 500 personnes qui ont répondu. Donc, merci à ceux qui ont répondu. Mais au-delà de ça, du gros sondage, ce qui est le fun, c'est de ressortir des données de ce sondage-là et de ressortir des généralités, en tout cas, qu'on est capable de trouver. Donc, Alexandra et moi, avec l'aide de la compagnie CSL Behring, on est allé fouiller dans ces chiffres-là parce que ce sondage-là était commandité par la compagnie CSL Behring, et on a travaillé d'arrache-pied pour analyser les données. Je tiens à dire que c'est CSL Behring Monde, en tout cas international, qui a défrayé ça, étant donné qu'on était le seul endroit au monde où il y avait des seringues pré-remplies qui étaient données à tout le monde, qui n'avaient pas de... Donc, tous les gens qui étaient en sous-cutané étaient en seringues pré-remplies. Il y a quelques petits endroits en Grande-Bretagne où est-ce qu'il y en a, mais ici, on était vraiment une province avec, tu sais, une région administrative qui était plus facile à délimiter. Donc, on a fait ce sondage-là, on a sorti des données. Et ces données-là, mais ça nous permet aussi, c'est une carte de visite pour aller ailleurs. C'est une carte de visite pour présenter nos données à certains congrès internationaux. D'ailleurs, il y a certaines études que je vais aller présenter aux Pays-Bas bientôt. On va aller aussi présenter ça au CSACI, qui est comme le gros congrès d'allergie et d'immunologie au Canada. Donc, ça nous ouvre des portes, ça nous permet d'avoir des données, ça nous permet de comprendre certains phénomènes. Et là, Alexandra va nous parler de ces deux schémas qu'on a sortis. Alexandra, c'est une collaboratrice de l'APIC depuis longtemps. En tout cas, moi, depuis que je suis à l'APIC, c'est une collaboratrice à toutes les années. Elle fait la formation accréditée avec nous. Elle a travaillé avec moi sur ça. Elle dit toujours oui quand on lui demande quelque chose. Fait qu'elle sort de son... Elle a même accepté aujourd'hui et hier de sortir de son congé sans solde pour venir nous voir. Donc, on la sort de ses vacances, puis vous allez voir, elle n'a pas perdu. Au contraire. Fait que je vous demande d'accueillir chaleureusement Alexandra Lepechkina, qui est une infirmière au CHUL, à Québec. Bonjour. Alors, j'ai l'honneur de vous présenter deux brefs études. Les premières études effectuées par APIC suite à l'analyse de l'enquête questionnaire qui était faite auprès des patients membres de l'APIC. Donc, voici la première qui s'intitule « Impact de l'âge sur l'expérience et la compliance au traitement de remplacement d'immunoglobuline chez les patients atteints d'immunodéficience ». Alors, l'objectif dans cette étude, c'était de comparer les perceptions entre les jeunes adultes, adolescents et les adultes sur l'utilisation, les facteurs qui influencent l'utilisation de traitement et aussi la compliance de traitement. Alors, étude qui a été menée entre 2020 et 2021, c'est les résultats, donc les réponses aux questions qu'on a obtenues. On était capable d'analyser la démographie de la population, donc des participants, la qualité de vie, la satisfaction, l'expérience au traitement, ainsi que leur compliance. Donc, ce qui a été fait, c'est que la population répondante, en fait, on l'a divisée en deux groupes. Alors, on voulait vraiment comparer les avis, les réponses des adolescents, des jeunes adultes, qui étaient de 14 ans à 24 ans, et les adultes à partir de 24 ans et plus. Et voici ce qui est ressorti.
Donc, tout d'abord, sur 347 patients qui recevaient traitement de remplacement d'immunoglobuline en général, on ne spécifie pas ici sous-cutané ou intraveineux, il y avait 41 patients qui faisaient partie de la groupe des jeunes adultes. Je vais peut-être, pour mieux m'exprimer, je vais le dire adolescent, si vous me permettez pas. Donc, si vous me permettez, adolescent jusqu'à 24 ans. Alors ça représentait 12% de la population. Ensuite, 306 personnes, ben, c'était des adultes, ce qui représentait 88%. Donc déjà en partant, on voit un écart très important entre les deux groupes, mais ce n'est pas grave. À l'avenir, on va pouvoir majorer ça, puis faire les études peut-être beaucoup plus grandes. C'est quand même intéressant de constater une petite différence qui est ressortie dans certaines analyses des données, ce qu'on va voir. Alors, ce qu'on constate aussi, c'est facilement, en fait, facile à comptabiliser que dans le groupe des adolescents, 68% recevaient les injections à domicile par la voie sous-cutanée, donc c'est eux-mêmes qui sont injectés. Alors, je vais utiliser le terme SCIG, donc c'est des patients qui étaient sous le SCIG. Et 32% de ces adolescents, ben, ils recevaient IVIC. Donc, ils revenaient à l'hôpital, ils recevaient les injections par la voie intraveineuse à l'hôpital. Tandis que dans la groupe des adultes, 75% étaient sous le SCIG et 26% sous le IVIC. Donc, on voit rapidement aussi que la plus grande partie des participants dans chacun des groupes étaient sous le SCIG à domicile. Alors, la question, combien de patients ont changé leur méthode d'injection? Donc, on voit le résultat qui est sorti. Alors, le passage de IVIG à SCIG a eu lieu chez 43% d'adolescents et 59% d'adultes. Alors, là, encore une fois, on voit, on peut dire que dans les deux groupes, à peu près la moitié de cas vont passer au sous-cutané. La prochaine question, c'est est-ce que les traitements d'immunoglobuline, en général, affectent la vie scolaire et au travail des patients? Et on voit bien le bleu. En bleu, ça ressort plus dans le groupe des adolescents, donc des jeunes adultes. Alors, leur vie est affectée par le traitement. Malheureusement, je n'ai pas les détails, je n'ai pas toutes les spécificités. Qu'est-ce qui exactement influence? Est-ce que c'est parce que c'est la population qui étudie le jour, qui doit faire les devoirs et travail supplémentaire le soir, puis en plus compléter un emploi quelque part? Est-ce que c'est le manque ou une acceptation en fait dans la connaissance de leur maladie et traitement? Est-ce que c'est la peur, le stress, manque de motivation? Tout ça, c'est des détails qui seront très intéressants à savoir, aller chercher encore plus loin en fait ces données-là. Une autre question, c'est qu'est-ce qui est important à l'égard de traitement de remplacement d'immunoglobuline? Et en comparant les deux groupes, les jeunes adultes et les adultes, je vous tiens quand même à souligner, ce n'est pas la peur de la piqûre de l'aiguille qui ressort le plus. En fait, les adolescents, pour eux, ce qui est important, c'est le moins possible d'avoir d'effets secondaires de traitement. Tandis que les adultes, ils se penchent plus sur l'autonomie, l'indépendance, en ayant un traitement sous-cutané à domicile. Ensuite, une autre question, est-ce que les patients, ils arrêtent les traitements? Ce n'est pas un arrêt thérapeutique, c'est vraiment un abandon en fait, de traitement qu'on parle ici. Et ce qu'on voit, que le groupe d'adolescents, de jeunes adultes, c'est la plus touchée, contrairement à celle d'adultes. Donc, encore là, je n'ai pas les détails. Qu'est-ce qui les mène vers un arrêt de traitement? Quel facteur, en fait, influence ceci? Mais ça sera des données très intéressantes à recueillir dans les prochaines études. Et finalement, la dernière question dans cette étude qui était, c'était quel impact a le transfert de IVIG au SUCUT, au SCIG? Donc, la majorité de patients des deux groupes ont perçu une amélioration au niveau de leur qualité de vie, au niveau de leur productivité, la satisfaction au traitement. Là, on voit un écart plus important entre les adolescents et les adultes. C'est la meilleure perception au niveau de l'état physique et la compliance au traitement. C'est là que ça ressort, que les adolescents
en ayant des SCIG à domicile, bien, ils sont plus en santé, puis ils sont plus compliants au traitement. Tandis que les adultes, ils mettent en mention plus de ben, « ça n'a pas changé comme avant » ou peut-être un peu amélioré, mais pas de façon considérable. Voilà, alors en conclusion, ce qu'on retient, c'est que les événements d'arrêt, d'abandon de traitement sont plus présents chez la groupe plus jeune que chez les adultes. Les jeunes, ils perçoivent que leur vie scolaire et travail est beaucoup plus affectée que chez les adultes. Mais ce qu'on voit, c'est les injections sous-cutanées SCIG à domicile permettent d'avoir une meilleure perception de l'état physique et de la compliance au traitement. Alors, ça, c'était la première. Maintenant, deuxième étude. Donc, deuxième étude, on est encore une fois dans la comparaison des deux populations, alors les jeunes adultes et les adultes. Donc, ici, on regarde l'impact de l'âge sur le format d'emballage d'immunoglobuline et aussi la méthode d'injection. Voilà, donc l'objectif, c'est ça. On veut avoir un aperçu sur comment les jeunes adultes et les adultes utilisent ou s'ajustent en fonction des différents formats d'immunoglobuline, d'emballage d'immunoglobuline et la méthode d'injection. Alors, toujours, les résultats sont tirés de l'enquête menée par APIC. Donc, beaucoup de choses sur ce slide, mais alors ici, on met accent seulement sur le traitement qui est donné à domicile par la voie sous-cutanée, donc les SCIG. Alors, la population est encore plus moindre ici, donc on voit qu'il y a 28 jeunes adultes ou les adolescents, contrairement aux 228 adultes. Donc, ce qui ressort ici, à ma droite, on voit que dans les deux groupes, c'est des seringues pré-remplies sous-cutanées, en fait des seringues pré-remplies d'Isontra qui sont utilisées avec la méthode pompe. Ensuite, ce qu'on voit aussi, c'est que les deux groupes, la plupart en fait des participants des deux groupes n'ont pas changé leur modalité de traitement, donc leur méthode d'injection depuis leur initiale formation à ce traitement. Par contre, on peut observer, c'est qu'un tiers, à peu près, ce qui est 33% chez les jeunes adultes et 26% chez les adultes, donc ça représente à peu près un tiers de la population de chacun des groupes, ben, lorsqu'ils ont changé, les jeunes adultes, ils ont changé parce que c'était plus les recommandations des professionnels de la santé, c'est sur leur avis qu'ils se sont fiés, tandis que les adultes, c'est parce qu'ils ont décidé eux-mêmes, en fait, de changer les méthodes ou d'autres modalités afin d'aller chercher la facilité au niveau de l'administration de traitement. Et un autre point, dernier point, c'est que si on regarde toute la procédure de l'administration de ce traitement, donc à partir des étapes de préparation, rassemblage, administration et finalisation d'administration de traitement, on voit une différence, c'est que c'est vraiment l'étape de préparation chez les adolescents, les jeunes adultes, qui est beaucoup plus longue que chez les adultes. C'est quoi les raisons? On n'en a pas encore. Est-ce que c'est cette hésitation, le manque de motivation, la peur des piqûres, etc.? Ça va être aussi intéressant de savoir c'est quoi. Donc, en conclusion, la majorité de patients des deux groupes utilisent les seringues pré-remplies avec la méthode pompe. Ils n'ont pas changé leur modalité d'administration au cours de leur vie de traitement. Les adolescents sont plus susceptibles de se fier, suivre les recommandations de l'équipe médicale avant de faire leurs propres décisions. Et aussi, c'est les adolescents qui ont besoin un peu plus de temps dans les étapes de préparation de leur traitement, comparativement aux adultes. Évidemment, la conclusion suite à ces études, ben, ça prend des recherches, des études plus poussées, avec plus grand nombre d'échantillonnages, ce qu'on appelle la population, donc des participants, pour que les groupes soient de plus en plus équitables aussi au nombre de personnes. Ça prend les études aussi afin de mieux comprendre en fait l'impact de différentes méthodes d'injection sur la satisfaction au traitement. Ça va donner aussi les pistes de solutions pour surtout le groupe de jeunes adultes
afin d'aller rechercher les solutions pour eux qui vont aller pallier à leur constat d'abandon de traitement. Aussi, en finalisant, ce que j'aimerais, c'est de vous encourager, vous, les patients, en fait, de participer dans les sondages, des questionnaires et les études de ce genre. Sûrement, APIC va poursuivre, va pas s'arrêter sur ces deux études. Ça va, j'imagine, en tout cas, ça va se poursuivre. Et pourquoi? Ben, parce que c'est vous, vos perceptions, vos expériences, vos besoins, qui vont pouvoir apporter en fait un ajustement à toutes les décisions médicales, à toutes les approches cliniques et les soins. C'est tout. Merci beaucoup, Alexandra. Excusez, je veux juste poser une question, c'est pas vraiment une question, comme un constat. Ça fait plusieurs années qu'on parle de la transition entre l'hôpital pour enfants et l'hôpital pour adultes, ou la transition entre le département pédiatrique et le département régulier. Je pense que ces données-là nous permettent de croire qu'effectivement, il y a beaucoup de travail à faire là. On a vu, là, il y a des gens qui ont fait des refus de traitement, là, qui ont arrêté complètement, des ados qui ont arrêté complètement de se traiter. Donc, tu sais, je pense que c'est important puis qu'il faut développer des programmes. Puis, ça fait longtemps à la PIC qu'on veut développer quelque chose. Bien, je pense que ces données-là nous disent qu'on a encore plus raison de le faire. Donc, voilà. Fait que ces sondages-là sont intéressants parce qu'ils nous permettent de prendre le pouls, l'humeur d'une certaine partie de la population, puis c'est important. Fait que, voilà. Merci, Alexandra, tu as très bien fait ça. Merci.